triomphé, oui, il a triomphé. Nous ne tremblerons pas, nous tiendrons debout. Jésus, tu es là. Je vivrai la puissance du Dieu.
Alors, je pense que nos cœurs sont préparés pour accueillir la parole de Dieu. Et maintenant, eh bien, on va demander au pasteur Jean-Pierre et on va l'accueillir. Il va donc nous apporter la parole de Dieu et ce que le Seigneur a mis sur son cœur. Sois béni. Alléluia. Alléluia. Vous pouvez rester debout. Et ceux qui sont assis, vous pouvez vous lever. Et le message va commencer. Ok? Alléluia. Oh, Shikarababasa. Alléluia. On va chanter comme si c'était notre dernière adoration, comme si c'était notre dernier chant. Amen. Seigneur, tu me cherches. Tu me connais. Si je t'oubliais, je sais que tu m'aimes. Seigneur, tu me cherches. Seigneur, tu me cherches. Oui, Seigneur, tu me cherches, c'est vrai. Tu me connais. Oh, tu me connais, Seigneur. Et si jamais je t'oubliais, Seigneur. Si je t'oublie, oh, je sais que tu m'aimes, Seigneur. Je sais que tu m'aimes. Seigneur, tu me cherches. Seigneur, tu me cherches. Tu me connais, Seigneur. Tu me connais. Oh, si, Seigneur, un jour je t'oubliais. Oh, je sais une chose, Seigneur. Je sais une chose, Seigneur. Je sais que tu, oh, tu m'aimes, Seigneur. Je sais que tu m'aimes. À la croix, je me prosterne où ton sang coula pour moi. Tu gardes mes pas. Oh Seigneur, ta main me soutient. Ta main me soutient. Et si je sais une chose, c'est que tu m'aimes, Seigneur. Je sais que tu m'aimes. Je sais que tu resterais là. Tu resterais là. Car je sais que tu m'aimes. Je sais que tu m'aimes. Si tout s'effondrait, si tout
Seigneur, tu as déchiré le voile et tu as tracé un chemin, Seigneur. Saint-Esprit, je prie que tu ouvres les yeux de notre cœur ce matin afin que nous réalisions, Seigneur, l'œuvre parfaite de la croix, Seigneur. Seigneur, je prie afin que nous soyons saisis par ton sacrifice ce matin. Que nous soyons saisis, Seigneur, par cette œuvre d'amour, Seigneur, que tu as faite pour chacun d'entre nous. Que nous réalisions, Seigneur, à quel point tu nous as aimés, Seigneur. Que nous réalisions le prix qui a été payé pour chacun d'entre nous, Seigneur. Et lorsque nous allons le réaliser, Seigneur, notre vie ne peut plus être la même. Et Seigneur, nous pourrons déclarer sans aucune honte que Jésus-Christ est mon Seigneur. Seigneur, saisis-nous ce matin, Seigneur. Je prie afin que chacune des personnes ici présentes ait une puissante révélation de la croix, Seigneur. Une puissante révélation de ton sacrifice, Seigneur. Et de tout ce que ça a impliqué pour chacune de nos vies. Une puissante révélation, Seigneur, de ton amour, de ta puissance et de la destinée que tu as mise sur chacun d'entre nous.
Seigneur, une révélation du fait que nous avons été choisis. Alors que des millions, des milliards peut-être n'ont pas été choisis, mais tu nous as choisis, Seigneur. Tu nous as choisis, Seigneur. Et tu as montré, Seigneur, le prix de ton investissement sur la croix. Le prix de ce que tu as investi dans chacune de nos vies, Seigneur. Révèle-nous ce prix ce matin, Seigneur. Afin que si nous avons besoin de repentance, de pardon, que nous nous repentions, Seigneur. Et que nous vivions cette vie abondante et pleine que tu as payé à la croix pour chacun d'entre nous. Seigneur, nous ne voulons pas être des chrétiens de seconde zone. Nous ne voulons pas être des chrétiens de deuxième classe. Nous ne voulons pas être des chrétiens tièdes, Seigneur. Nous ne voulons pas être des chrétiens qui font semblant. Nous ne voulons pas être des hypocrites. Nous voulons être ces adorateurs que tu recherches. Ces hommes et ces femmes, Seigneur, qui ont un cœur entier pour toi. Ces hommes et ces femmes qui ne font aucun cas de leur propre vie. Mais de la même façon que toi, tu as investi ta vie en nous, Seigneur, nous voulons investir nos vies pour toi. Ô Saint-Esprit, saisis-nous ce matin. Saisis-nous ce matin, Seigneur. Sème en nous, Seigneur, quelque chose que l'ennemi ne pourra pas voler, Seigneur. Dans le nom puissant de Jésus, nous prions. Alléluia. Alléluia, vous pouvez vous asseoir dans la présence de Dieu. Alléluia. Merci beaucoup au groupe de louanges, leur super travail. La présence de Dieu est tellement manifeste. On peut vraiment les applaudir, les encourager. Il y a une telle présence de Dieu ce matin que j'avais envie de laisser le groupe de louanges continuer. Et même Sophie, elle me faisait signe, c'est fini. Je fais, non, c'est pas fini. Plus loin, plus haut. Ah. Telle présence. Je crois que le jour viendra où vraiment on va laisser le groupe de louanges continuer. Je crois que ce jour est vraiment très très proche. Mais avant que ce jour vienne, le Seigneur veut communiquer quelque chose du ciel. Amen. Je crois que Dieu veut nous préparer justement à ce jour. Vous savez, dans les réveils, bien souvent on prie pour le réveil. Et Dieu n'envoie pas son réveil bien souvent par amour pour nous. Parce que dans les temps de réveil, il y a une accélération de la gloire de Dieu. Il y a une accélération de la puissance de Dieu. Il y a une accélération des signes, des miracles et des prodiges, mais il y a aussi une accélération du jugement de Dieu. Et je crois que Dieu veut nous préparer aujourd'hui. Vous vous rappelez à l'époque d'Ananias et Saphira, à l'époque des Actes des Apôtres, il y avait un tel réveil, il y avait une telle présence de Dieu que tu ne pouvais pas te permettre de faire semblant. Et Ananias et Saphira, ils ont voulu venir comme ça, comme si rien n'était, faire semblant. Faire semblant, vous savez, on fait semblant d'être chrétien, on apporte nos habits du dimanche, notre face de chrétien, et à l'intérieur, on vit comme le diable. Et ce message aujourd'hui, c'est vraiment pour vous préparer à ne pas tomber sous le jugement quand le réveil se manifestera. Amen. Le temps de faire semblant est terminé, frères et sœurs. Le temps de jouer à l'église est terminé. Le temps de jouer aux chrétiens est terminé.
Enfin, je ne sais pas pour vous, mais pour moi, c'est fini. J'ai dit stop, basta, il y en a assez. Secoue-toi, Jean-Pierre. Amen. Et dis ton prénom, secoue-toi aussi. Terminé de vivre dans la chair. Terminé de vivre dans la médiocrité. Terminé de vivre dans la peur. Amen. Le temps est venu de marcher dans l'amour. Et comme la parole prophétique l'a dit ce matin, cherchez mon amour, vivez dans l'amour. L'amour parfait bannit la crainte. Si le monde dans lequel nous vivons n'est pas changé, c'est parce qu'il y a encore de la peur et de la crainte en nous. Et qu'on n'est pas parfait dans cet amour. Cet amour pour Dieu et cet amour les uns pour les autres et cet amour pour le monde perdu. Je répète, un amour pour Dieu, un amour les uns pour les autres et un amour pour les perdus. Un amour pour Dieu, un amour les uns pour les autres et un amour pour le monde perdu. Et quand cet amour est parfait en toi, alors tu ne fais aucun cas de ta vie. Car tu réalises pourquoi tu es né. Tu réalises pourquoi Dieu t'a choisi. Hello ? Que les choisis de Dieu lèvent la main ce matin. Ok. C'est un grand privilège d'être choisi. Et des fois, quand je considère un peu ma vie, je me dis, mais Seigneur, pourquoi tu m'as choisi ? Il y a tellement de personnes dans ce monde qui sont brillants, excellents, et pourtant, ces personnes ne te connaissent pas et tu m'as choisi. Et je connais ma vie. Donc. Je sais quelle était ma vie et je me dis, Seigneur, franchement, tu as vraiment une grande foi. Je connais mes faiblesses, je connais les péchés dans lesquels je me vautrais avant et je me dis, Seigneur, tu as vraiment une grande foi. Mais Dieu m'a choisi. Il sait ce qu'il fait et Dieu t'a choisi aussi. Et Dieu, lorsqu'il t'a choisi, il s'attend que tu lui répondes. Et comme a dit aussi Catherine tout à l'heure lors de l'offrande, et vraiment tout est vraiment bien, lié. Dieu cherche des adorateurs et des adoratrices qu'il adore en esprit et en vérité. Est-ce qu'il y a des adorateurs ce matin ? Qu'il adore en esprit et qu'il adore en vérité. Le titre de mon message, c'est « Choisi pour porter du fruit qui demeure ». Et le texte de référence, c'est Jean 15, chapitre 11. Alors, vous connaissez un peu ma façon de prêcher, il va y avoir des moments qui vont peut-être avoir une certaine conviction. Mais encore une fois, c'est de la conviction, ce n'est pas de la condamnation. Lorsque le Seigneur met son doigt sur quelque chose, c'est toujours pour te changer. Okay, ne sois pas condamné par l'ennemi, mais sache que Dieu met le spot parce qu'il veut changer cette chose en toi, parce que tu vaux mieux que ça, et parce qu'il a investi en toi, et qu'il s'attend à ce que tu vives pleinement cette vie qu'il a investie en toi. Amen. Donc laisse la conviction du Seigneur peut-être te chahuter ce matin, mais surtout te changer et te transformer en la même image que ton Seigneur. Amen. Vous êtes avec moi ? Vous savez, en plus, on a un peu de temps, donc je vais pouvoir déborder tranquillos. Jean 15, 11. « Je suis le cep et mon père est le vigneron. » Regardez bien. Donc écoutez chacune des paroles. S'adresse, Dieu te parle ce matin. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruits, il le retranche. Déjà, on plante le décor. Et tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde afin qu'il porte encore plus de fruits. Donc je vais lire le texte et je vais revenir après, d'accord ? Restez avec moi. Déjà, vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Demeurez en moi. Et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit, s'il ne demeure attaché au cep, ainsi vous ne le pouvez non plus, si vous ne demeurez pas en moi. Je suis le cep, vous êtes les sarments.
Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un demeure en moi, si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme le sarment et il sèche, puis on ramasse les sarments et on les jette au feu et ils brûlent. Bon, ça, c'est pas terrible. Mais si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, regardez, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez réellement mes disciples. Comme le Père m'a aimé, je vous ai aussi aimé. Demeurez dans mon amour, comme la parole prophétique le disait tout à l'heure. Si vous gardez mes commandements, vous demeurez dans mon amour, de même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. Je vous ai dit ces choses afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. C'est ici mon commandement. Aimez-vous les uns les autres. Comment ? Comme je vous ai aimé. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Vous êtes mes amis. Si vous faites ce que je vous commande, je ne vous appelle plus serviteur, car le serviteur ne sait pas ce que fait son maître, mais je vous ai appelé ami, parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi, je vous ai choisi, je vous ai établi, afin que vous alliez et que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure, afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. Ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi. C'est moi, dit Dieu. Je vous ai choisi. Je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit, afin que vous soyez productifs dans ce monde, afin que vous manifestiez mon royaume dans ce monde. Le royaume de Dieu, c'est la paix, la justice et la joie. Amen. Tu as un message à l'intérieur de toi que Dieu va manifester. Tu as un message qui doit se voir dans tes paroles, qui doit s'entendre dans tes paroles, qui doit se voir dans tes gestes, dans ton attitude. Hello ? Quand je considère le pourcentage de personnes dans notre belle nation de France qui connaissent le Seigneur Jésus, je me dis que c'est un grand privilège que moi, en tant que petit Jean-Pierre, je connaisse Dieu. Le Dieu qui a créé le ciel et la terre, le Dieu qui a créé tout ce qui se trouve. C'est un privilège d'avoir été choisi. Est-ce que nous réalisons ça ? C'est un privilège d'avoir été choisi. Mais avec chaque privilège, quand Dieu donne un privilège, il y a toujours une responsabilité. À celui à qui beaucoup a été donné, beaucoup sera demandé aussi. Et chaque chrétien ici présent, beaucoup nous a été donné. Tu ne peux pas dire, oh, ben, je viens juste d'être chrétien, ça va. Non, 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 mon gars, ma fille. Si tu as accepté Jésus-Christ, tu sais que tu as été choisi. Tu sais que tu as un grand privilège, mais tu as aussi une grande responsabilité. La Bible dit que celui qui invoque le nom du Seigneur, qu'il s'éloigne de l'iniquité, qu'il s'éloigne du péché. Dieu veut que nous soyons sa meilleure publicité. Hello ? Et lorsque nous réalisons qui nous sommes, lorsque nous réalisons que nous avons été choisis, que nous avons été établis afin d'aller
et de porter du fruit, alors notre conception, notre façon de voir les choses change complètement. Notre façon même de nous voir doit changer complètement. Parce que Dieu dit, voici mon fils bien-aimé, voici ma fille bien-aimée en qui j'ai mis toute mon affection. Vous vous rappelez le jour de votre baptême ? Donc Dieu a déclaré ça sur ta vie. Et toi, tu te comportes comment ? Comme un fils ? Ou comme autre chose ? Alors on va reprendre. Tout serment qui est en moi et qui ne porte pas de fruit, il le retranche. Et tout serment qui porte du fruit, il l'émonde afin qu'il porte encore plus de fruits. Alors une chose très intéressante ici. Dieu fait exactement la même action sur le serment qui porte du fruit et le serment qui ne porte pas du fruit. Vous avez vu ? Il doit prendre exactement le même outil. Donc tout serment qui ne porte pas de fruit, il dit, ok, toi tu ne portes pas de fruit, il va à la base, il coupe et il jette. Mais tout serment qui porte du fruit, qu'est-ce qu'il fait ? Il coupe aussi. Il coupe quoi ? Il coupe les choses qui ne sont pas à sa gloire. Hello ? Donc si tu es ici ce matin, c'est que tu ne fais pas partie des serments qui ne portent pas de fruit. Mais le Seigneur veut te couper un peu, il veut t'émonder un peu. Il veut couper tout ce qui n'est pas à sa gloire afin que tu portes encore plus de fruits. Donc ne sois pas dans la condamnation ce matin. Sache que le Seigneur, là, s'il met le doigt là où ça fait mal, c'est qu'il veut couper ce qui peut voler ta vie, ce qui peut détruire ta vie, parce que tu vaux mieux que ça. Amen. Dieu a investi en toi. Et Dieu sait que ce qu'il a mis en toi, c'est quelque chose de puissant qui va apporter la guérison, qui va apporter la délivrance, qui va apporter le salut et qui va changer ton monde. Donc reste avec moi ce matin, ne sois pas condamné. Ne sois pas un petit pleurnicheur, une petite pleurnicheuse. Oh, le Seigneur ne m'aime pas, il m'a rejeté. Non, 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 mais tu n'as pas rejeté, il est en train de t'émonder là, mon gars. Il est en train de t'émonder, ma fille. Et quand ça coupe, ça fait mal. Ok, ça fait mal, mais juste un instant, ok ? Maintenant, on va passer le baume de la guérison. Pour que tu portes du fruit et du fruit qui demeure. Vous savez, j'ai un très cher ami en Angleterre, quelqu'un qui est vraiment doué dans la musique, qui a vraiment une onction très particulière. Et une fois, il était dans un tournant de sa vie. Vous savez, en plus, en tant que musicien, il faut faire vraiment très attention. C'est pour ça qu'il faut vraiment être des adorateurs. Et tout donner pour le Seigneur. Donc des fois, quand on est doué, on a tendance à s'appuyer sur le don. Parce que quand on joue tellement bien, bon, personne, si jamais personne ne voit, mais Dieu voit. Et sa vie, à un moment donné, c'était du grand n'importe quoi. Donc il allait même à l'église, donc groupe dans louange, etc. Et puis après, la semaine, il vivait comme le diable. Et Dieu, à un moment donné, l'a repris. Il a dit, ok, mon gars, c'est bon, ça, c'est terminé, stop. Et donc, il s'est repenti sincèrement. Il a demandé pardon à Dieu. Il a crié à Dieu avec des larmes. Il a dit, ok, Seigneur, je te demande pardon. Une vraie repentance. À tel point que ça faisait hyper longtemps qu'on ne s'était pas vu. Il m'a envoyé quelque chose sur Facebook. Il a repris contact avec moi pour qu'il puisse y avoir un suivi. Et la première chose que je lui ai dit, il était en train de pleurer sur son péché, sur le fait qu'il avait loupé le Seigneur, etc. etc. Je fais, ok, on arrête les pleurnicheries. Je dis, tu as deux choix aujourd'hui. Soit ta vie sera la risée du diable, ou soit ta vie sera pour la gloire de Dieu. Donc si tu as péché, arrête de pleurnicher aujourd'hui. Lève-toi, demande pardon à Dieu et n'accepte pas que ta vie soit la risée du diable. Amen. Mais décide aujourd'hui que ta vie sera pour la gloire de Dieu et donnera des migraines au diable.
une crise de nerfs au diable. Parce que tu auras choisi de vivre comme Christ. Tu auras choisi de manifester Christ dans tes paroles, dans tes actions, dans ton attitude et dans tous tes choix. Amen. Que notre vie ne soit pas la risée du diable. Jamais, nada. Mais que ça soit une vie qui glorifie notre Dieu. Amen. Dieu est en train de nous émonder ce matin. Il veut nous préparer pour le réveil qui va arriver dans cette église. Et tous les signaux, tous les voyants sont en train de dire réveil, 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 réveil. Et ce message est un message pour préparer nos cœurs pour le réveil. Afin qu'aucun d'entre nous ne manque le bus, ne manque le train du réveil qui est en train de passer, afin qu'aucun d'entre nous ne reste sur le quai, afin qu'aucun d'entre nous ne soit détruit par le réveil. Car je vous l'ai dit, c'est une accélération de signes, de prodiges, de miracles, mais aussi une accélération de jugement. Amen. Donc, réalisons les temps dans lesquels nous vivons. Réalisons que le Seigneur est en train de nettoyer son Église. Et que c'est quelque chose de sérieux. Pourquoi ? Parce que la vie de cette nation est en jeu. Et Dieu compte sur toi et Dieu compte sur moi pour changer la vie de cette nation. Pour amener son règne dans cette nation. Dieu a investi en nous pour que nous portions du fruit. Amen. Et on ne peut pas porter du fruit si on pleurniche tout le temps. On ne peut pas porter du fruit si on ne réalise pas qui nous sommes. Si on ne réalise pas que Dieu nous a choisis, que Dieu nous a établis, afin que nous allions et que nous portions du fruit. Et du fruit qui demeure. Qu'est-ce que ça veut dire du fruit qui demeure ? C'est du fruit qui va jusque dans la vie éternelle. Pas simplement dans ce temps. Dieu veut qu'on porte du fruit qui demeure. Il veut qu'on agisse dans l'éternité des gens. Hello ? En tant que chrétiens, nous sommes les seules personnes qui pouvons agir sur l'éternité des gens. C'est pour ça qu'il nous a choisis. C'est pour ça que nous sommes encore sur terre. C'est pour ça qu'il y a ce mandat, qu'il y a cette cause qui doit vraiment nous faire vibrer, qui doit vraiment nous saisir. Ta vie compte pour quelque chose. Et Dieu compte sur toi. Alléluia. Nous avons été choisis. Jésus-Christ, le roi des rois, le Seigneur des choisis, Seigneur nous a choisis comme ses amis. Mais il dit, vous êtes mes amis, si. Et regardez même dans le texte que nous avons lu, il y a, j'ai compté le nombre de si qu'il y a, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, enfin, il y a à peu près 7 si. Si vous, ceci-là n'est pas très intéressant, mais si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez, cela vous sera accordé. Des fois, on dit, mais Seigneur, pourquoi telle et telle chose ne m'est pas accordée ? Pourquoi tu ne réponds jamais à mes prières ? Et Dieu dit, pourquoi tu ne réponds jamais aux miennes ? Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié. Qui est-ce qui veut glorifier Dieu ce matin ? Amen. Est-ce que c'est quelque chose qui t'a saisi ? Est-ce que c'est quelque chose qui fait brûler ton cœur le matin quand tu te lèves et tu dis, ok, je vais glorifier Dieu ? Est-ce que c'est ça que tu te dis le matin quand tu te lèves ? Seigneur, merci pour cette journée, je veux te glorifier. Par ma façon de parler, par ma façon d'aimer, par ma façon d'étendre la main, par ma façon de regarder, je veux te glorifier, Seigneur. Par ma façon d'être avec ma femme, d'être avec mon mari, d'être avec mes enfants, Seigneur, je veux te glorifier. Par ma façon d'être avec mes collègues, d'être avec mon patron, d'être avec les gens que je crois, Seigneur, je veux te glorifier. Par la façon d'être avec les frères et sœurs de l'Église, Seigneur, je veux te glorifier. Est-ce que c'est ça ton message ?
Si ce n'est pas ça, le Seigneur est en train de t'émonder afin que ce soit ça, ton message. Okay. Alléluia. Il nous a choisis pour aller. Alors ça, c'est très important. Donc si tu ne suivais pas jusqu'à présent, il est temps de suivre. J'espère que tu suivais. Il nous a choisis pour aller. Ok, Seigneur, tu m'as choisi pour aller, mais pour aller où ? La question que j'ai pour toi ce matin, est-ce que tu sais où tu vas ? Ok, Seigneur, je veux y aller. Je prépare mes affaires, je prépare mes valises. Mais on va où, au fait ? La Bible dit que sans vision, mon peuple périt. Tu dois savoir où tu vas. Tu dois avoir une destination. Tu dois avoir un rêve que tu veux accomplir. Quel est ton rêve ? Quelle est ta destination ? Qu'est-ce que le Seigneur t'a dit ? Hello ? Qu'est-ce que le Seigneur t'a dit ? Il t'a choisi pour quelque chose, pour aller. Mais pour aller où ? C'est quoi qui brûle dans ton cœur ? Qu'est-ce que tu veux être pour le Seigneur ? Qu'est-ce que tu veux que soit ta vie ? Qu'est-ce que tu veux qu'on dise le jour de tes obsèques ? Parce que ça viendra un jour. Hein. Je dis ça, bon, c'est pas pour casser l'ambiance, mais ça viendra. À moins que le Seigneur revienne avant. Mais qu'est-ce qu'on va dire le jour de tes obsèques ? Est-ce que tu étais cet homme, cette femme qui avait un rêve, qui avait les yeux fixés sur ce rêve, les yeux fixés sur la destination, les yeux fixés sur ta destinée, qui a tout fait pour essayer de l'accomplir ? Quels que soient les obstacles, quelle que soit l'adversité, tu as tout fait pour accomplir ce rêve. Est-ce que c'est ce qu'on va dire le jour de tes obstacles ? Ou est-ce qu'on va dire, oh, c'était un gentil petit gars, une gentille petite chrétienne, qui chauffait de temps en temps les bancs de l'église. Et puis, ouais, il était sympa quand même. Amen. Bon, déjà là, c'est pas très classe. Mais le pire, c'est quand on sera devant notre Seigneur. Ça, c'est le pire des pires. Et en tant que chrétien, nous devons vraiment avoir toujours un œil sur l'éternité. Car nous sommes simplement de passage. Et ta vie sur terre va déterminer la façon dont tu vas passer ton éternité. Donc ça doit rentrer dans ta petite tête de disciple de Jésus-Christ. Ta vie sur terre va déterminer la façon dont tu vas passer ton éternité. Donc on a intérêt à vivre cette vie à fond les manettes, comme on dit, à ne plus vivre dans la peur, mais à vivre dans l'amour, et à savoir que l'amour parfait bannit la crainte, et je vais faire en sorte que je grandis chaque jour que Dieu fait. Chaque jour que Dieu fait, je veux aller plus loin, je veux aller plus haut, je veux aimer mieux, je veux faire mieux. Je veux qu'on voit Christ plus en moi. Amen. Est-ce que tu sais où tu vas ? Vous savez, dans le monde, il y a une statistique qui est très intéressante. C'est que 95% de personnes qui ont réussi dans leur domaine ont écrit la vision, quelque part, un jour. Ils ont écrit leur rêve. On en compte 95% de ceux qui ont réussi, quelque part, ils ont écrit la vision. Ils ont écrit ce qu'ils voulaient, ils ont écrit leur rêve. Et ils avaient ça devant les yeux chaque jour. Et ils ont mis toutes les étapes pour accomplir ce rêve, accomplir cette destinée. Qu'est-ce que le Seigneur a mis dans ton cœur ? Qu'est-ce que le Seigneur t'a dit ? Qu'est-ce que le Seigneur a prophétisé sur ta vie ? Écris ce rêve. Écris cette prophétie. Écris cette vision.
et que tu sois consumé par ce rêve, consumé par cette vision. Et que tu dois te débarrasser de tout ce qui t'empêcherait d'accomplir ce rêve. Amen. Et tu dois faire tout ce qui va faire en sorte que tu accomplis cette vision, que tu accomplis ce rêve. Si tu as besoin de formation, forme-toi. Si tu as besoin de couper avec certaines relations, coupe avec certaines relations. Mais ne permets à rien ni à personne de t'empêcher d'accomplir la vision, la prophétie, le rêve que Dieu a mis en toi. Et mets ce rêve devant tes yeux. Lis-le souvent. Et dis-toi, ok, c'est ma destination, c'est là où je vais. Amen. Soyons comme ce pilote. Vous savez, les pilotes d'avion, ils prennent le plan de vol et ils savent où ils vont. Vaut mieux qu'ils savent où. Imagine un jour, tu montes dans un avion et tu dis que vous allez bien en Martinique et puis le pilote dit, ah ben je sais pas. Je sais pas, on verra bien. Et des fois, les chrétiens, on est comme ça. Bon, je ne sais pas, peut-être, bon, on verra bien. Non, non, on ne verra pas bien. Dieu a mis un rêve en toi. Dieu a mis quelque chose en toi. Découvre-le. Et mets cette destination devant tes yeux. Et quand tu as la destination devant tes yeux, tu sais où tu vas. Et même si des fois, tu fais des détours, mais tu as les yeux sur la destination. Amen. Même s'il faut faire un chemin qui est un peu plus long, mais tu as les yeux sur la destination. Même s'il y a des obstacles, mais tu as les yeux sur la destination. Amen. Et comment font les pilotes? Et en tant que chrétien, on doit vraiment être comme ces pilotes. C'est-à-dire qu'on a le plan de vol, on sait où on va, et on s'assure d'avoir le bon carburant dans son avion. Donc c'est du kérosène, tu ne mets pas de d'essence sans plomb, c'est 95 sans plomb. On s'assure d'avoir un plan de vol avec les escales pour se ravitailler éventuellement, pour ne pas tomber à sec. Et la chose la plus importante pour un pilote et pour un chrétien, c'est de s'assurer d'être bien connecté à la tour de contrôle. Hello ? Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Ok, t'as un rêve, mais assure-toi que ce rêve, Dieu est dans la tour de contrôle. Parce que Dieu a la vue globale de tout ce qui se passe. Et toi, dans ton avion au-dessus de l'Atlantique, à un moment donné, tu ne sais même plus si tu es au nord ou au sud. Tout se ressemble. Il n'y a pas de McDo, ton McDo préféré, qui va te dire « Ok, tu n'es pas loin de chez maman ». Non, 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 non. Là, les nuages se ressemblent, la mer se ressemble, tout se ressemble. Donc, tu as besoin de la tour de contrôle. Tu as besoin d'être connecté avec Dieu. Et tu as besoin d'écouter et d'entendre chacune de ses instructions. Et d'obéir à chacune de ces instructions. Si, par exemple, tu vas à fond la caisse, et puis la tour de contrôle te dit, là, il faut que tu ralentisses. Ah ben moi, j'ai envie d'aller à fond, c'est trop bien. Est-ce que les pilotes font ça? Non, ils ne font pas ça. Ils savent que s'ils n'obéissent pas à la tour de contrôle, c'est leur vie qui est en jeu. De la même façon que toi, si tu n'obéis pas à la tour de contrôle, c'est ta vie qui est en jeu. Est-ce que tu comprends ça? Si tu n'obéis pas au plan de vol, la parole de Dieu, qui te dit qui tu es, qui te dit quel fruit tu dois porter, et si tu n'obéis pas à la tour de contrôle qui est le Saint-Esprit, et qui te dit quand aller plus vite, qui te dit quand t'arrêter, qui te dit quand couper cette relation, qui te dit pas maintenant. Dieu nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété pour que nous réussissions. Dieu nous a tout donné. On n'a pas d'excuses, frères et sœurs. Il nous a tout donné, il nous a équipés, il nous a établis. Et en plus, il a dit, je ne vous laisserai pas orphelins, je vous enverrai le Saint-Esprit, afin que vous accomplissiez les rêves que j'ai mis en vous, afin que vous manifestiez mon royaume sur cette terre. Afin que là où vous êtes, le monde soit changé et que mon royaume soit manifesté. Hello ? Deuxièmement, quels fruits devons-nous porter ? Ok, c'est sympa de dire, je veux que tu portes du fruit, mais tu veux que je porte quoi ? Des bananes, des noix de coco,
des pastèques. Donc le fruit que nous devons porter, frères et sœurs. Galates chapitre 5, verset 13. Frères, vous avez été appelés à la liberté. Seulement ne faites pas de cette liberté un prétexte de vivre selon la chair. Mais rendez-vous par l'amour, serviteurs les uns des autres. Car toute la loi est accomplie dans une seule parole. Et le Seigneur, il insiste vraiment ce matin. L'amour. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Mais si vous vous mordez et vous dévorez les uns les autres, prenez garde que vous ne soyez détruits les uns par les autres. Je dis donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Si vous êtes conduits par l'esprit, vous n'êtes pas point sous la loi. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. C'est quoi les œuvres de la chair ? Ce sont l'impudicité, les relations sexuelles hors mariage, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Donc on est d'accord, Dieu ne veut pas qu'on porte de tels fruits. Ok ? Donc s'il y a de ce genre de fruits aujourd'hui dans ta vie, coupe-les. Ok ? Et voilà le genre de fruits que le Seigneur veut que nous portions. Mais le fruit de l'esprit, c'est quoi ? C'est l'amour, encore l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Pour ceux qui ne savent pas ce que ça veut dire tempérance, ça veut dire la maîtrise de toi. Oh, c'était plus fort que moi. Non, c'était pas plus fort que toi. Tiens-toi bien, mon gars. La tempérance, un peu de fruit de l'esprit, s'il te plaît. Les fruits de l'esprit, l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité. Est-ce que j'ai dit la fidélité ? Fidèle envers son Dieu. Fidèle envers son conjoint, fidèle envers ses enfants, fidèle envers ses amis. Il n'y a rien de plus précieux qu'un ami fidèle. Il n'y a rien de plus précieux que des gens qui sont fidèles les uns envers les autres. Qui disent « Je suis avec toi » dans les bons comme dans les mauvais jours. Amen. La douceur. La douceur, ce n'est pas la mollesse. On peut être doux, comme des fois je suis un peu ferme, mais là je suis doux, vous voyez ? Mais je vous aime. Mais c'est avoir du tact, montrer du respect. Ne pas faire le « je sais tout », « ok, moi je suis mieux que toi, écoute-moi ». Non, avoir du respect, ok ? Savoir se comporter comme envers ton frère, envers ta sœur. Jamais dans une attitude de supériorité, toujours dans une attitude de frère à frère et de sœur à sœur, ou de frère à sœur, etc. Vous m'avez compris. Ok, avoir pas un esprit agressif qui t'oblige à faire les choses. Vous voyez cet esprit ? Je déteste ça. Vous savez, même quand on donne des conseils, vous donnez des conseils, on n'oblige pas les gens. Et si la personne ne veut pas faire la chose, ok, c'est son choix. Dieu lui a donné son libre arbitre et Dieu lui-même ne va pas violer son choix. Donc toi, même quand tu donnes un conseil, sois dans un esprit de douceur. Pas dans quelque chose qui écrase, dans quelque chose qui oblige la personne. Tu peux amener une certaine conviction, mais jamais obliger la personne, la manipuler. Amen. Et la tempérance. Est-ce que j'ai dit la tempérance ? La loi n'est pas contre ces choses. Ceux qui sont à Jésus-Christ, est-ce qu'il y a des personnes qui sont à Jésus ce matin ? Levez la main. Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs.
Alléluia. Il faut que nous réalisions ce matin comment Dieu nous a créés et comment nous avons été conçus. Et depuis le début, on parle de l'amour. Et même les sciences modernes, et particulièrement les neurosciences, ils ont découvert quelque chose de très intéressant que la Bible dit depuis des millénaires. C'est que l'être humain a été créé pour aimer. Hello ? On a été créé pour aimer. Et quand on manifeste, quand on marche dans l'amour, et bien c'est là qu'on est heureux. Parce qu'on a été créé pour ça. Donc il y a deux choses qui vont influencer la race humaine. Il y a deux choses qui vont motiver la race humaine. La première chose, c'est l'amour. Et la deuxième chose, c'est la peur. Donc ce sont les deux choses principales qui nous motivent. Et quand tu es motivé par la peur, tu peux être sûr que le péché n'est pas loin. Tu peux être sûr que l'envie, la jalousie, tout ça, c'est pas très loin. Mais quand tu es motivé par l'amour, alors peu importe ce qui se passe. Toi, ton job, c'est d'aimer. D'aimer Dieu de tout ton cœur, de toute ta force, de toute ta pensée. Et d'aimer ton prochain comme toi-même. Donc quand tu fais ces deux choses, Dieu a rendu les choses tellement simples. On est tellement compliqués, nous les êtres humains. C'est tellement simple qu'on peut passer à côté. Tu veux une recette pour être heureux ? Je vais donner une recette pour être heureux. Qui est-ce qui veut une recette pour être heureux ? Toi. Tu veux pas ? Non. Premièrement, aime Dieu. Mais comment ? De tout ton cœur, de toute ta force et de toute ta pensée. C'est comme ça que tu as été créé. C'est pour ça que tu as été créé. En d'autres termes, comme disaient les offrandes, sois un adorateur. Sois un adorateur. Deuxièmement, juste pour le fun, si tu veux être heureux, aime ton prochain comme toi-même. Et tu as été créé pour aimer. Et même en dehors de la Bible, les neurosciences ont réalisé que on n'a pas été créé pour ne pas aimer. On n'a pas été créé pour avoir des pensées de haine, pour avoir des pensées d'amertume, pour avoir du non-pardon. On n'a pas été créé pour ça. À chaque fois, ça nous fait du mal. C'est contre nature. C'est contre notre nature. C'est contre la façon dont nous avons été designés. J'aime bien ce terme. Tu as été designé. Waouh, je suis designé. Designé par Dieu. Pensé par Dieu. Conçu par Dieu. Fabriqué par Dieu. Et dans cette vie que Dieu a donnée, dans cette conception, il a dit, ok mon gars, tu vas aimer. Tu es fait pour aimer. Tu es fait pour m'aimer moi, m'adorer, et tu es fait pour aimer ton prochain. Et c'est la recette du bonheur. Amen. Si tu fais ces deux choses, je peux t'assurer que tu seras un homme et que tu seras une femme heureuse. Et vous savez, on va prendre le terme... Oh là, j'ai largement dépassé l'heure, mais bon, c'est tellement bon. Je vais conclure. On va prendre le terme commandement et on va... Jésus nous dit, je vous donne un commandement nouveau, aimez-vous les uns les autres. Et on va un petit peu le moderniser. On va dire que Jésus nous donne une ordonnance. Une ordonnance comme quand tu vas chez le médecin. Donc imagine que tu vas chez le médecin parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et le médecin va toujours te poser la même question. Il va te dire, quelle est la capitale de Tamalou? Et toi, tu vas dire, j'ai Bobola. Ils n'ont pas compris. Tout le monde a... Je l'aime bien, celle-là. La capitale de Tamalou, c'est Jébobola. Et à chaque fois que tu vas chez le médecin, il te dit toujours le même. C'est quoi la capitale de Tamalou? Et toi, tu dis, ah, Jébobola. OK, bon, on arrête là.
Et quand t'as dit où t'avais bobo, le médecin, qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire une ordonnance. Hello? Il va écrire un commandement. Et toi, si tu ne veux plus avoir bobo là, tu vas suivre ce commandement. Alors, je vais vous donner une indication de... Il te dira, 3 fois par jour, tu feras. 3 fois par jour, tu prendras ce médicament. 2 fois par jour, tu prendras celui-ci, etc. Peut-être il peut t'en donner 10, comme le Seigneur t'a donné 10. À un moment donné, il va t'en donner que 2. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur. Pardon, ça c'est l'ordonnance du Seigneur. Mais l'ordonnance du médecin, il va te dire, ok, tu prendras ce médicament pour la tête le matin, le soir, celui-ci 3 fois par jour pour le cœur et celui-ci pour l'estomac uniquement le soir. Ensuite, il va te dire, au revoir, monsieur, madame, ça fait 90 euros. Mais le Seigneur, lui, il te donne une ordonnance gratos. Il te dit, mon fils, ma fille, si tu veux être heureux, suis cette ordonnance. Suis cette ordonnance. Si tu veux réussir dans ta vie, suis cette ordonnance que je te donne. Suis-la scrupuleusement. Si tu ne veux plus avoir mal à ton âme, si tu ne veux plus être un échec, si tu ne veux plus être emporté par tout vent de doctrine, si tu ne veux plus marcher dans le péché, être vaincu par le diable, mon fils, ma fille, je te donne 2 ordonnances, 2 choses dans ces ordonnances, 2 médicaments. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ta force, de toute ta pensée et ton prochain comme toi-même. Car je t'ai choisi pour que tu portes du fruit. Amen. Et on va conclure. J'avais encore beaucoup de choses à vous dire. Mais je suis déjà resté assez longtemps. Et rappelez-vous le début du message. C'est que je crois que l'église du Mont-Berger va vraiment connaître un réveil. Et Dieu ne veut pas que vous soyez, que vous restiez sur le quai lorsque le train du réveil partira. Et le Seigneur est en train d'émonder chacun d'entre nous, en train d'enlever les choses qui nous empêchent de porter du fruit. Donc laissons-nous faire, ok? Laissons-nous émonder. Laissons le Seigneur retirer tout ce qui n'est pas à sa gloire. Toutes les mauvaises attitudes, tous les mauvais fonctionnements, toutes les faiblesses que nous avons pu avoir. Ayons marre de nos faiblesses, ayons marre de nos péchés. Et plongeons à corps perdu dans la restauration que le Seigneur veut nous donner aujourd'hui. Utilisons les dons et les talents que le Seigneur nous donne. Ne soyons plus jamais motivés par la peur, parce que la peur va voler ta destinée. La peur va voler ce que le Seigneur veut faire à travers toi. Et dans le pire des cas, la peur va t'amener dans le péché. Donc soit la peur t'amène dans le péché, soit la peur te vole la destinée que Dieu a pour toi. Et rappelez-vous de ces hommes qui avaient reçu, un avait reçu un talent, un autre avait reçu 5 talents, un autre avait reçu 10 talents. Dieu leur avait donné des dons, des talents à chacun d'entre eux. Il y en a 2 qui ont fait fructifier ce que le Seigneur leur a donné, qui ont porté du fruit. Il y en a 1 qui a dit « J'ai eu peur. J'ai eu peur. Je ne fais pas ça parce que j'ai peur. Mais mon gars, ma fille, Dieu ne t'a pas donné un esprit de peur. Dieu t'a donné un esprit d'amour pour que tu fonctionnes dans cet amour, pour que tu sois plein dans cet amour et que tu sois pleinement heureux. Alors arrête de dire que tu as peur. Tu es juste et le juste ne vit pas par la peur mais par la foi et par l'amour. Alors sois fou et folle pour le Seigneur et décide d'accomplir ton rêve et de ne plus jamais avoir peur, de ne plus jamais être motivé par la peur, mais d'être motivé par son amour. Alléluia.
Et pourquoi je dois porter du fruit ? Parce que la création attend avec un ardent désir la révélation des fils et des filles de Dieu. La création soupire et attend après toi. Attends à ce que tu portes du fruit. Attends à ce que tu manifestes le royaume de Dieu sur la terre. Amen. Levons-nous dans la présence de Dieu. Si je peux avoir le groupe de louanges. On va faire cette déclaration. Alléluia. Vous allez répéter après moi. Seigneur mon Dieu, je te remercie parce que tu m'as choisi. Et je te remercie parce que ce matin, Seigneur, tu as coupé les choses qui n'étaient pas à ta gloire, Seigneur. Où tu as coupé les choses qui m'empêchaient d'avancer. Ou les choses qui m'empêchaient de porter encore plus de fruits. Seigneur mon Dieu, je décide aujourd'hui de ne plus être motivé par la peur ou par la crainte. Car tu ne m'as pas donné un esprit de peur, mais tu m'as donné un esprit d'amour, un esprit de force et une raison saine. Afin que je porte du fruit, Seigneur, et afin que ma vie soit la meilleure publicité, Seigneur, dans ce monde. Seigneur, aujourd'hui, je décide de consacrer ma vie à glorifier, à élever le nom de Jésus. Je décide de t'aimer de tout mon cœur, de toute ma force, de toute ma pensée. Je décide d'aimer mon frère et ma sœur, Seigneur, comme moi-même. Et je décide d'aimer les perdus, Seigneur. Je serai une lumière, Seigneur, dans ce monde. Je serai un bon témoignage, Seigneur. Par mes paroles, par mes actions. Et si j'ai créé des dommages, je vais les réparer, Seigneur, parce que je veux glorifier ton nom. Et je veux que tu sois fier de moi, Seigneur. Et je veux que lorsque je serai devant toi, que tu me dises, bien bon et fidèle serviteur, servante, rentre dans la joie de ton maître. Seigneur, scelle cette prière. Afin que je sois cet homme, cette femme que tu as devant tes yeux avant la fondation du monde, Seigneur, dans le nom de Jésus. Alléluia. 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 Ce qui touche ton cœur pour être l'église que tu désires, la lumière du monde. Je demande au conseil spirituel de s'approcher pendant ce chant. Ouvre nos yeux.
faire un appel à l'autel. Ce message t'a particulièrement touché ce matin. Et tu veux vraiment prier pour qu'il y ait un nouveau départ dans ta vie. Tu ne veux pas rester sur le quai lorsque le train du réveil passera. Et tu réalises qu'il y a des choses qui doivent être mises en ordre. Alors je te demande de venir, de t'approcher. Et on va prier avec toi. Amen. Et ceux qui ont un besoin aussi quelconque, vous pouvez aussi vous approcher pour qu'on prie avec vous aussi. Je vais chanter ta louange.
Seigneur, nous te remercions. Nous te remercions, Seigneur, pour cette matinée. Et Seigneur, je prie afin, Seigneur, que cette parole que tu nous as dite, Seigneur, soit enracinée dans nos cœurs, enracinée dans notre âme. Et je te remercie, Seigneur, pour ce nouveau départ, Seigneur. Et nous allons nous mettre, chacun d'entre nous, Seigneur, dans les starting blocks. Nous allons achever cette course, Seigneur. Nous allons courir, Seigneur, vers le but. Nous allons courir vers notre destinée, Seigneur. Nous allons courir pour que ton nom soit élevé, que ton nom soit glorifié, Seigneur. Alléluia. Seigneur, déverse cet esprit de passion, Seigneur. Cet esprit qui vit pour une cause plus grande que lui, Seigneur. Cet esprit de disciple de Jésus-Christ, de témoin de l'agneau, Seigneur. Alléluia. Seigneur, je prie que toutes les paroles que tu as dites ce matin ne soient pas volées, mais que chaque semence, Seigneur, puisse porter du fruit et du fruit qui demeure dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus, nous prions. Alléluia. Je prie, Seigneur, aussi pour ceux qui nous regardent par Internet. Je prie, Seigneur, afin que tu leur révèles les rêves, la destinée que tu as mis sur eux, afin que eux aussi, Seigneur, puissent courir en sachant où ils vont, Seigneur, pour la gloire de ton nom, Père. Dans le nom puissant de Jésus, nous prions. Alléluia, tout le monde dit un grand amen. Alléluia. Soyez bénis et surtout soyez une bénédiction. Alléluia. Et impactez votre monde. Amen. Yeah.